voit donc, les locataires sont pour, les propriétaires sont contre. Qu'en est-il des professionnels de l'immobilier? On en parle avec vous, Pierre-Antoine Ménez, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la FLAIM Île-de-France. Alors, la crainte, c'est quoi? C'est que tout simplement, il y ait moins de biens à louer et donc ça freine le marché? Non, c'est très intéressant, cette manière d'appréhender le problème. A priori, on veut bloquer le loyer dans les zones tendues. Oui. C'est légitime. Qu'est-ce qu'une zone tendue? Une zone tendue est une zone dans laquelle l'offre et la demande ne sont pas en concordance. Donc, il manque du logement. Bien. Et la solution qu'on trouve pour régler ce problème de rareté est de bloquer les loyers. Or, aujourd'hui, si on manque de logements, il faut en construire. Et qui peut construire des logements aujourd'hui? Vous avez deux solutions, l'État et les collectivités locales, et les privés. On sait, quand on regarde la télévision, qu'actuellement, l'État n'a pas trop d'argent. Mais tous les gouvernements disent qu'ils ont des programmes de construction d'immeubles assez importants et qu'ils font ce qu'ils peuvent. Où, quand, comment? Moi, j'en ai pas vu beaucoup jusqu'à présent. Dans les banlieues, non? Dans les banlieues, un petit peu. Mais comment vont-ils actuellement construire? Où va-t-on trouver l'argent pour construire de nouveaux logements? Par contre, on sait qu'en France, l'investisseur français, dans les différentes études, est un des Européens qui épargne le plus. Donc, il a de l'épargne. Incitons-le à s'investir dans l'immobilier. Et quels sont les signes politiques qu'on lui donne pour cet investissement dans l'immobilier? Ce sont, quel que soit le gouvernement, un, le décret Fillon qui a ramené la durée de détention de 15 à 30 ans, et maintenant un futur décret qui bloque les loyers. Comment voulez-vous, dans un secteur qui joue sur le long terme, on joue l'immobilier, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc pour vous, cet encadrement, c'est mauvais à court terme? Bien sûr, c'est un mauvais signe politique. Alors c'est démagogique, bien sûr. Les enquêtes d'opinion, 70% des Français sont d'accord pour bloquer les loyers. Alors moi, j'ai une autre question. Êtes-vous d'accord pour avoir un logement plus grand, plus clair, plus calme, moins cher? C'est quoi la solution? À mon avis, 100% de réponse positive. Alors tout de même, le gouvernement a prévu des dérogations hein, quand on fait des travaux, si le loyer est manifestement trop bas, donc c'est pas non plus... Bien sûr. Et voilà, il y a quand même des choses qui sont prévues bien pour sûr, mais lesquelles? On puisse une fois louer. De plus, on vous annonce un blocage des loyers. Très bien, on annonce un blocage des loyers. Un encadrement. Bon. Un encadrement, un blocage, c'est comme l'austérité, la rigueur, vous savez ça. Les loyers pourront quand même augmenter selon l'inflation. Selon l'inflation, donc un blocage des loyers à la relocation. En gros, si un locataire louait trop cher son appartement, il continuera à louer trop cher. On est d'accord, il avait déjà un bail en cours. Si maintenant il louait à un prix raisonnable ou moins cher, il ne peut pas l'augmenter. Donc vous pénalisez qui? Les propriétaires sympas, a priori. Première chose. Secondo, on parle de travaux éventuels. Quels travaux? Je vous rappelle que dans le ministère du Logement, vous avez aussi... une personne qui s'occupe du développement durable. Donc on parle beaucoup de rénovation d'appartements, de rénovation d'immobilier, de baisse de coûts énergétiques. Qui va faire les coûts si vous bloquez les loyers? Mais c'est mauvais pour les propriétaires, est-ce que ça peut être mauvais finalement pour les locataires? C'est-à-dire, est-ce que les propriétaires vont hésiter à louer? Est-ce que finalement le marché ne va pas être plus tendu? Est-ce que ça ne sera pas plus difficile de trouver un appartement à louer? À partir du moment où vous gardez un marché tendu, c'est mauvais pour le locataire. Vous savez, moi je suis personnellement gestionnaire, donc je gère des appartements pour le compte de clients. Il y a des clients que je n'arrive pas à mettre au pas. J'avais une réunion ce matin avant de venir. J'ai des appartements actuellement dans Paris, à louer, 25 mètres carrés. Mon client en voulait, dans un quartier tout à fait limite, en voulait plus de 900 euros. Bon, mais il ne le loue pas. C'est tout. Il ne le loue pas. Personne n'en veut. C'est bien le marché aussi, quelquefois. L'offre et la demande, vous nous dites. L'offre et la demande, mais maîtrisée. Merci beaucoup, Pierre-Antoine Ménez de la FNAIM Île-de-France.